Ça va, je suis. Bonjour tout le monde, ça va bien? Ouais. Non, de toute façon, on est vendredi, comment ça peut, j'ai pas bien la vie? Parce qu'on peut jamais aujourd'hui. T'as vu? Quoi? Mais non, on est pas meilleur. Non, oui, on a les quatre. Est-ce que ça fait? Mais non. Social, puis on finit le temps. On est en bas. Hey, toi, on n'est pas aujourd'hui ici. Non, non. Aujourd'hui, juste pour clarifier, il y a une caméra dans le fond, c'est moi qui fais le film pour l'université. Donc là, si vous voulez, on peut prendre 3 secondes, là, faites toutes les tatas que vous voulez. Après ça, on a plus pour la période. Profitez-en, vous avez 3 secondes. Ok, c'est beau, merci, c'est fait, c'est réglé. Donc là, on oublie qu'il y a une caméra. Pendant une heure et quart, on oublie qu'il y a une caméra, ça va? Ouais. Aujourd'hui, ce qu'on fait, on commence avec une capsule scientifique. Après ça, on corrige votre devoir. On a une note de cours pour résumer le chapitre 6, puis après ça, on a des petits exercices. On avait quoi, il y a ça, c'est non, c'est une autre. J'en ai préparé une autre qui est encore plus court. Oh, elle est. Oui, on avait eu. Ouais, 180, ça coûte. Je pense que c'était. Décision démocratique. Ouais, ils se sont trompés, donc ils n'arriveront pas non plus. Aujourd'hui, on commence. Avant la correction, fermez, vous n'avez besoin de rien. Là. Fermez toutes vos affaires, vous n'avez besoin de rien. Fermez tout. Hey, c'est rare, je vous le dis, là, fermez tout, vous avez besoin. Pas de manuel, pas rien. Est-ce qu'il y en a qui ont écouté le film Mission Impossible 4, Protocole Fantôme? Oui. Ouais? Est-ce que vous vous rappelez de la scène où est-ce qu'il grimpe sur le Burj Khalifa, là, de l'extérieur? Ouais. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ce qu'il faut qu'il se passe, c'est que là, le Tom Cruise, le but de son de cette scène-là, il faut qu'il aille dans les serveurs informatiques de la tour, qui sont à Dubaï, fait que c'est la plus haute tour du monde. Puis là, il faut qu'il aille dans les serveurs qui sont 4, 5, 6 étages plus haut, puis ils ne peuvent pas passer par en dedans parce qu'il y a des méchants. Ils vont les voir. Donc là, ce qu'ils font, ben, au lieu de prendre une façon conventionnelle, ben, ce qu'ils font, ils enlèvent une vitre. Là, Tom Cruise, il sort, puis il se met des gants, puis là, il grimpe avec ses gants électroniques. Est-ce que j'ai fait? Je vais vous la montrer là-dedans. Est-ce que tu as apporté un gant électronique? C'est en anglais? C'est pas grave, là. Le, je vais regarder les images, c'est pas que je comprends ce qu'ils disent. What the hell's that? Là, c'est ça, il est à l'extérieur, puis il commence à grimper avec ses gants. Il se pointe les pieds, ça va permettre de grimper facilement sur la ligne. Là, ça, c'est un moment dramatique qui manque de batterie. Il est cool, là, il l'enlève et il est capable de grimper à juste une main. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est ses gants. Pensez-vous que c'est réaliste? C'est les gants de même, là, qui fait juste coller de même. Puis là, en décollant comme ça, il peut grimper. Ouais. Oui, Léo. Ouais. Tu penses que ça existe? Oui. OK. Oui, Nicolas? Non, parce que ici, il veut l'enlever. Parce que c'est vraiment collé. Non, je sais moi. Ok, vas-y, Frédéric. Parce que je crois que c'est comme, ils ont apprécié à la fin des genres de lézards, là. Que, ouais. Ils mettent leurs mains, puis là, il faut qu'il y ait des gars comme ça parce que. Il me semble qu'ils ne sont pas capables d'enlever comme ça, là. Il faut qu'il y ait. J'aime ça, regardez ça. Oui, connaissez-vous ça, ce buvette-là? C'est ça. Un gecko? C'est quoi que c'est comme particularité, un gecko? Enlevant la main, vous Léo? Ça coule à tout. Pardon? Ça coule.
C'est ça, c'est le meilleur grimpeur qu'on connaît. C'est un des meilleurs bestioles grimpeurs qu'on connaît. Puis qu'est-ce qui donne, c'est quoi le fait qui donne le gecko qui est possible de pouvoir grimper comme ça? Ses pattes. Sur ses pattes, là, chacune des lignes que vous voyez, c'est des petits poils microscopiques qui font en sorte que quand ça se colle sur une surface, ben ça peut, ça y a tellement de surface de contact que ça colle, puis il peut grimper comme ça. C'est comme si ça collait comme Spider-Man dans le fond. Là. Vous savez que dans le premier, on voit comme des petits pics qui sortent de son doigt. Là. Ben, c'est un peu le même principe. C'est des poils qui font en sorte qu'ils se collent sur la surface. Puis pourquoi je vous dis ça? Parce que deux chercheurs à Amherst, au Massachusetts, pas loin de Boston, ils ont développé un matériau qui permet de faire ça. Là, je vous montre la vidéo. C'est en anglais encore, je suis désolé. Je vais vous traduire au fur et à mesure. Non. Là, ils sont inspirés du gecko pour faire leur matériau. C'est ça le dessus. Made of simple, inexpensive materials that can hold up to 700 pounds on a smooth surface. Là, c'est ça ici. Vous voyez, ça, c'est le morceau de matériau qu'ils ont pris, puis ils ont accroché à ça 700 livres. Puis ça tient, juste comme ça. Ils l'ont juste collé sur le panneau, puis ça tient 700 livres. It's based on some key anatomical properties of the gecko foot, which is covered with millions of little hairs. Ça, c'est les poils sur les pattes de gecko. Là, si on pourrait prendre une patte de gecko et la mettre au microscope, c'est ça qu'on verrait. Crosby and his group hypothesized that the setae alone are not the only feature allowing a gecko to adhere to walls. They suggested that a stiff tendon directly integrated into the skin is also critical. So these are the properties that we've been trying to work on, are really high capacity, easy release. And these geckos have done that by making millions of little hairs, which are so small that they can get very close contact with the surface, and that provides force they need to climb. But our contribution that Al and I have really worked on, along with Mike Bartlett and Dan King and other people, is to really look at actually the whole organism, to look at not just the hairs, but also look at the underlying anatomy, look at the tendons and the skin that underlie this structure, because it really is a whole foot. It's not just the hairs. The key innovation by the Gex Skin team was to create an integrated adhesive with a soft pad woven into a stiff fabric. This allows the pad to drape over a surface to maximize contact. Further, as in... Là, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont mélangé, ils ont tressé, au lieu de mettre un matériau ensemble, ils ont tressé deux matériaux, un qui est super dur, un qui est super mou. Pourquoi? Parce que dans la patte d'un gecko, ce qui fait que c'est un aussi bon grimpeur, c'est la combinaison des tendons, avec des parties dures, avec leurs poils qui sont mous, pour leur permettre de tout coller, tu sais, comme je regarde de faire. Tu sais, quand ils mettaient leurs doigts, qu'ils dépliaient leurs doigts sur la surface, c'est ça que ça permettait de faire. Donc là, ils ont tressé ensemble un matériau dur et un matériau mou pour augmenter la surface de contact et leur permettre de faire ça. Natural gecko feet. The fabric is woven into a synthetic tendon, yielding a design that maintains stiffness and rotational freedom using everyday materials. And what it does is it just drapes easily over the surface, gets close enough that the van der Waals interactions can become strong, and can hold, you know, 700 pounds, maybe on an index card size pad, but then with a simple twist of the pad, it peels off with zero force, and it doesn't mark the surface at all. And one of the really important things is that you can do this over and over and over again. What's unique about Gex Skin is the kind of use of very simple materials in a very novel way. Fait qu'à la fin, vous avez vu comment il l'a enlevé? Ben ça, là, c'est parce qu'il n'y a pas de colle, il n'y a pas rien, c'est le matériau, tu le mets sur la surface, là, ça peut tenir 700 livres. Puis après ça, tu peux l'enlever comme si de rien n'était, ça laisse pas de traces, il n'y a pas de colle, il n'y a pas rien. Fait que ça permet que ce matériau-là, on peut l'utiliser autant qu'on veut. Autant qu'on veut, on peut le coller là, accrocher ce qu'on veut après ça, puis si on veut le déplacer, on le tire dessus puis on l'enlève. Oui, mais... Oui, Frédéric. Par exemple, qu'est-ce qui est mal fait dans le film, c'est qu'il y a des batteries. Ouais, c'est ça. Mais dans le film, c'est pas totalement réaliste, parce que c'est un truc électronique. Mais dans la vraie vie, on n'est pas si loin que ça, là. Tu sais, on s'entend que si le pad de... qui était à peu près, c'est à peu près ça le gros, le pad qu'il y avait sur l'image, là. C'est ça le gros pour dans la vraie vie. Si on réussissait à le mettre sur la main, il serait pas loin de pouvoir grimper avec, parce que ce pad-là qui prend 700 livres, Tom Cruise doit faire 150-200 livres gros max. Là. Fait que si tu prends, mettons, le quart de ça, mais tu vas pouvoir le faire avec lui, puis le mettre sur ses mains. C'est cool, non? Ouais, ouais. Êtes-vous endormi? Non. Yeah. C'est nice. Donc, c'est la petite capsule pour aujourd'hui. Fait que, Mission Impossible, c'était réaliste, mais il s'inspire quand même de la réalité.
Là, on revient à nos petits trucs. Avant de passer à ça, je vais vérifier votre devoir. Fait que sortez votre origine. À la page 180, on avait 488 à faire. Direct ou indirect?
Indirect, pourquoi indirect? Parce que... Qu'est-ce que ça veut dire indirect? C'est-à-dire que... Je ne sais pas si c'est... Qu'est-ce qu'une liaison indirect? Indirect, c'est une liaison qui... Oh, qui aurait lié un rapport. Indirect ou direct, ça? Indirect. Indirect? On dit que c'est indirect, fait qu'ils ne sont pas directement liés. Fait qu'il y a, de la, il y a quelque chose. Quand c'est indirect, il y a quelque chose qui lie notre objet avec nos deux objets ensemble. Fait que là, si on vous dit qu'il n'y a aucun organe de liaison, c'est direct ou c'est indirect? Indirect. Il n'y a pas d'organe de liaison. Quand il n'y a pas d'organe de liaison, automatiquement, c'est une liaison directe. Le deuxième, les pièces du corps sont retenues ensemble par des soudures. Nicolas? Indémontable. Pourquoi? Parce qu'il est indirect. C'est pas pour ça qu'il est indémontable. Anthony? Exactement, c'est pour ça. Indémontable, si on le défait, ça casse. Ensuite, c'est indirect. Pourquoi c'est indirect, Nicolas? Parce que là, il y a de la soudure. Excellent. Vu qu'il y a de la soudure, là, ça devient indirect. Et finalement, Léa, on est 183, numéro 9A. Léa, le troisième, la suspension est assurée pendant le sens. C'est démontable ou indémontable? Démontable, pourquoi? Excellent, ça peut s'enlever sans briser. Et est-ce que c'est direct ou indirect, Lance? Direct, pourquoi? C'est pas pour ça que c'est pour ça. Là, démontable, c'est un truc. Indémontable, démontable, c'est un critère. Direct et indirect, c'est un autre critère. Ils n'ont pas nécessairement rapport, là. Ça veut pas dire que vu que c'est direct, automatiquement, c'est démontable. C'est deux choses complètement séparées. Fait que là, qu'est-ce qui fait que c'est direct ou indirect? Pardon? Ça, c'est démontable ou indémontable? Direct ou indirect, Anthony? Ben, c'est direct parce que ben, moi, je vois un boulon, moi, en dessous. Ben, s'il y a un boulon, c'est quoi? C'est indirect. Ça va? Mais c'est démontable. C'est indirect, mais démontable. Parce que la liaison, on peut l'enlever, le boulon, on peut le défaire, on peut le refaire. Il y en a un boulon, fait que c'est indirect. Mais vu que le boulon, on peut le défaire sans casser notre suspension, on appelle ça démontable. Mais c'est quel? Parce que là, il y a la vis, mm-hmm. Il y a le boulon, mm-hmm. Il y a le spring. Oui. Ben, c'est le spring. Là, on parle juste du boulon. Le ressort tient sur la vis puis le boulon. Fait que si tu enlèves le boulon, le ressort s'en va. Fait que tu défais ta liaison. Merci. Vas-y. Numéro B, Samuel. Oui? Le dessin pour le guidage de la selle, ça serait quoi? Peux-tu venir le faire au tableau? Go. Un crayon juste là. Un rouge, blanc. Donc, on va faire le dessin qui est dans le numéro 1, en dessous du guidage de la selle. Voilà. Mettons avec un peu plus d'effort, là. Ouais, ça c'est plus beau, là. Voilà, ça c'est plus beau, déjà. Moi, j'ai pas fait ça. Donc, votre dessin ressemble à ça. Ça, c'est votre dessin. Loïc, c'est quelle sorte de guidage? Ouais, le guidage de la selle, c'est quel sort de guidage? Non, est-ce qu'il y a un peu l'aider? Vas-y, Vincent. Translation, excellent! Ça ici, c'est notre guidage en translation. Ethan, c'est quoi la pièce qui contrôle le guidage? C'est pas la tige de selle? Tube de selle. Oui, mais elle est grosse. Pour le deuxième, veux-tu venir au tableau? On est rendu au numéro 2. Donc, le guidage du guidon, on veut le symbole. Je peux l'effacer celui-là, puis faire à la place. On veut voir le dessin du guidage. C'est moi qui ai dit, c'est pas bon. Excellent. Excellent, ça. C'est le dessin que vous devez voir. Lydia, c'est quelle sorte de guidage? Vas-y. Quoi? Oh, c'est toi de me le dire, là.
À l'examen, c'est pour moi, tu vas te le dire, c'est quoi? Hélicoïdal, ce n'est pas un guidage hélicoïdal, par exemple. Vas-y, Léo. Pardon? Rotation, c'est un guidage en rotation. Finalement, c'est quoi la pièce qui guide, qui contrôle le guidage? Anthony, ouais. Ben, faut bien lui, hein? Tube de direction, excellent. Ben, c'est le même dessin. Le troisième, là, pour la guidage, la roue, s'il vous plaît. Hey, les gars. Ben, je suis là pour vous. Je suis chanceux, même, pendant un qui l'a déjà passé sur le tourneur. C'est le même symbole. Pour la troisième partie, c'est ça ici. Le guidage en rotation, c'est ça. Le dessin, c'est ça ici. En dessous, on écrit guidage en rotation. Puis la pièce qui permet de faire ça, Robin, c'est quoi? Le cadre. C'est le cadre qui permet de contrôler le guidage. Est-ce que c'est plus clair déjà le guidage ou pas tant que ça? Ouais. Ok, on va y revenir. Aujourd'hui, on revient de ça. Prochaine page, on fait le numéro 2 de la page 184. Ça correspond à quel énoncé, Maximilien? Le A. Quel énoncé? Le 6. Donc, c'est un guidage, c'est un mouvement de translation bidirectionnelle. C'est bon. Lauriane, le B. Le 1. 1, donc une force en compression, t'es sûr? T'es sûr? Bon, si, c'est bon. B, 1. C, ça va. 7, donc on parle d'un mouvement de rotation bidirectionnelle. C'est bon. Et finalement, Frédéric, le D. 4. Le 4, donc on parle d'un guidage en rotation. C'est bon. Là, c'est un résumé de pas mal tout ce qu'on a vu là, dans le chapitre. C'est ça. Ensuite, dernier numéro qu'on veut corriger, 186, numéro 6. 186, numéro 6. On vous dit, on vous montre une image d'une commode, comme vous avez dans votre chambre probablement. On vous demande, pour fermer un tiroir, il faut appliquer une force sur la poignée. De quel type sera cette force, Nicolas? Tension. Pardon? Tension. On veut fermer le tiroir. Compression. Tu veux l'ouvrir, tu veux tirer. Mais quand tu veux le fermer, on veut pousser, donc on comprime le tiroir. Mathieu, quel est l'effet de la force? Déformation temporaire. C'est pas une déformation temporaire parce qu'on ne défait pas la forme de notre tiroir. Oui, Robin? Modification de mouvement, excellent. Marc-Antoine, le type de mouvement qui effectuera le tiroir? La translation, excellent. Et finalement, Samuel, l'organe qui permet le guidage? Quel est-il? C'est pas la vis, c'est même pas la vis. Oui, la vis. Les rails de guidage, excellent. Ça va? Good. On peut fermer? On fait aujourd'hui, avant de commencer le chapitre 7, je vais vous distribuer des notes de cours qui vont vous permettre de résumer tout ce qu'on a vu dans le chapitre 6. On va les compléter ensemble avant de commencer le chapitre. Oui? Bien, bien. Oui, Emmanuel. Oui, vous allez avoir quelqu'un dans la main. Oui, Samuel. Oui. Tout ce qu'on fait, c'est à l'examen. Oh! Allez, demain, il y a les rendus.
Après ça, on va faire le dessin. Oui, Nicolas.
ça serait une flèche pleine de parole. Il est pas bien à l'esprit. Oh, let's go. Excellent. Donc tout ce qu'on veut, c'est que la flèche pointe dans la direction opposée de la surface sur laquelle on fait. On peut soit la faire d'un côté, ou on peut appliquer la force des deux côtés. Ensuite, un synonyme de flexion, Vincent. Mais ben attends, je vais te donner un synonyme. Il y a comme, mettons, le centre, tu vas pousser, puis les deux, ils vont voir. Ouais, mais c'est quoi une définition? Un mot. Je veux un mot qui résume la flexion, c'est quoi? Pousser, tirer. Pas juste pousser. Non, on a un mot pour ça. Vas-y. Courber. Comme les roses. Plier, excellent, c'est plier. Mais courber. Courber, plier, c'est la même chose. Faire un dessin. Fait qu'ici, flexion. Comment Vincent vient faire le dessin. Comment déjà la technique plier? Plier, c'est pas comme on dit. P-L-I-E-R. P-L-I-E-R. Ok, merci. C'est quoi le point en anglais? C'est quoi? C'est flexion, c'est quoi? Plier, courber. C'est pas loin, mais c'est pas exactement ça. Mais c'est pas. On ne voit pas la bombe, on se fait courber. C'est ta bombe. Ouais, mais ça, c'est ta bombe. Hein? Oh, comment tu l'as fait? Comment? Voilà, il va se faire dessin. Voilà. Ça, c'est le dessin quoi, là? La flexion. On est rendu à la flexion. Ça, c'est votre dessin et la flexion. On a deux forces qui appliquent sur les extrémités, mais une force à sens opposé au milieu. C'est quoi la discipline? Plier. Si vous arrêtez de parler, là, vous l'aurez su la première fois que je l'ai dit. Ensuite, pour la torsion, oui Anthony, tordre, ouais, un autre mot, vas-y, tourner. Tourner, excellent. Tourner. Tourner ou tordre, qui est venu faire le dessin? J'ai pas venu encore, pas André, t'es déjà venu. Oh, mais non, ben, oui, c'est non, Frédéric, tu t'es morfé. T'es pas mieux, pas bon, ouais, ouais. On peut la simplifier. Ça ressemble au recyclage, on n'est pas loin. Non, mais tu dis que tu fais quoi? Faites-le ici. Votre dessin et la torsion, c'est ça ici. Tournez. Tournez ou tord? Ensuite, vous nous arrivez le dernier. Oui, c'est deux flèches. Comment on appelle ça, le cisaillement? C'est oui. Quoi? Coupé, excellent. Le cisaillement, c'est coupé. Es-tu déjà venu, Vincent, par nous? Oui. Ouais. Moi, allez, je vais venir. Tu veux tourner? Oui. Donc, la définition de cisaillement, c'est couper. Oh, bravo! C'est pas. Ouais, oh, c'est pas exactement ça. Oh, vas-y, c'est bon. Vas-y, je sais c'est quoi.
non. Moi, je dis, je dis, je dis. Je suis pas d'accord. 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 On peut déchirer une feuille. Ça va pas couper. On peut déchirer une feuille aussi. Donc le soutènement, c'est coupé. C'est un de ces deux symboles-là. Est-ce que ça va pour les forces? Ouais. Prochaine page. Hey, c'est vous qui le décidez. Là. Vous allez dire ça à la fin. Si jamais ça marche pas, ça va être en silence. C'est vous qui le décidez, soit vous êtes en silence-là ou pendant vos exercices. Merci. Les effets d'une force, j'aurais besoin d'un synonyme d'effet d'une force. Un mot. Cherche un mot précis. Non, pas nécessairement une déformation. Pas bien. Mouvement. Mouvement, pas nécessairement un mouvement. Frédéric? Non. C'est bien? Non, c'est pas une force. Nicolas? Non. C'est une conséquence. L'effet d'une force, c'est une conséquence. Une action, une conséquence. L'effet d'une force, c'est une conséquence. Donc, si on applique une force, on obtient l'effet d'une force. Donc, c'est quoi une déformation temporaire? Pardon? Ouais, pas loin. Vas-y. Marianne. Marianne. Non. Négal, égal. Négal, non. C'est quoi une déformation temporaire? Ouais, ok, mais en mots, Ethan? Exactement. Une déformation temporaire. Quand l'objet subit une déformation temporaire, il reprend sa forme par lui-même. Reprend sa forme par lui-même. Est-ce qu'on peut écrire tout seul? Quoi? Est-ce qu'on peut écrire, il reprend sa forme tout seul? Ah, tu comprends. Pour notre cours, là, c'est pour vous. Moi, je vous donne une définition que moi, j'aime mieux. Si vous voulez la changer pour vous comprendre, c'est correct. Oui, Robert. Parce que ça ne marche pas avec mon ordi. Mais il y a un petit crayon. Ouais, mais les crayons ne marchent pas avec mon ordi. Pourquoi? C'est pour ça que je l'ai écrit au tableau affiché, parce que je n'ai pas le choix. Donc, sachant ça,
Qu'est-ce qu'une déformation permanente, Marianne? Excellent. Une déformation permanente. Une déformation permanente, c'est un objet qui ne reprendra pas sa forme par lui-même. Ici, à cause d'une déformation permanente, écrivez « ne reprend pas sa forme par lui-même ». De la colle ou n'importe quoi. Parce qu'une déformation permanente, on peut le faire le morceau là. C'est juste que ça va prendre la colle, une vis, un autre objet. Mais par lui-même, ils sont pas capables de le faire. Mais si, mais t'as c'est quand même permanent parce que. Oui, pour le prochain, ok. Pour le prochain, modification de mouvement, il y a deux choses qui sont possibles. J'en veux une des deux. Pas sa forme, Vincent? Mathieu, je t'ai vu, là, tu peux juste lever ta main comme tout le monde. Mais tu peux déplacer sur le placé comme normalement sans que. Ouais. Comme on lit. Change de direction, change de vitesse. Donc, c'était modification de mouvement. Il y avait deux choses qui peuvent se faire. Changement de vitesse. Donc, si je pousse quelque chose, ben, il va gagner de la vitesse. Ou change de direction. C'est vos deux options. Fait que pour une modification de mouvement, change sa direction. Oui, changement. De direction. Changement de vitesse ou changement de direction. On achève. Ensuite, dans vos modifications de mouvement, ben, ça va créer un mouvement. Une définition d'un mouvement, c'est quoi? Déplacement. Déplacement causé par une force. Quoi? Un mouvement, c'est un déplacement causé par une force. Un mouvement, c'est un déplacement causé par une force. Oui, Frédéric? J'ai oublié ma question. Donc, une modification d'un mouvement, mais c'est que quand là, on fait comme une torsion. Une torsion, là. Mais, comme mettons un pot, mais après, on l'a oublié, ça fait comme ça. Oui, c'est une modification de mouvement parce qu'on va faire gagner de la vitesse en le tournant. Après ça, ben, on va changer de direction en le repoussant. Ça fait comme une déformation. Non, parce que le bouchon, on ne plie pas le bouchon. On n'a pas un impact dessus, il garde sa forme. C'est juste qu'on lui donne une certaine vitesse, on lui donne un mouvement. On fait faire un mouvement. Ensuite, pour la translation, les symboles sont hyper simples. Donc, on a translation comme ça, ou comme ça. C'est les quatre possibilités. Ben, tu sais, c'est les quatre majeures, là. On appelle ça une translation unidirectionnelle. La translation, fait qu'on fait des flèches de même. Tu sais, ça peut aller dans tous les sens, là. Comme on peut faire ça de même, genre? Ouais, quand c'est des lignes droites, il me faut des lignes droites avec une flèche comme ça. On écrit pas translation de petits points. Translation, en fait. Ce symbole-là, vous écrivez unidirectionnel. Oui, Vincent? Correct. Non, c'est pas correct. Ouais, c'est correct. Mais moi, okay. Puis ça, à côté, on a celle-là qui est bidirectionnelle. Fait que translation, un dessin, on fait ça ici. À côté, on fait ça ici. Ah,
Translation, il faut juste les dessins. Il n'y a pas de mots à écrire, c'est juste les dessins. C'est vos notes à vous. Si vous voulez, pour trouver une translation, c'est correct. Je vous montre juste la façon qui, selon moi, est la plus simple. Oui, Maxime. Ouais, moi, ouais, ça doit être sur Steam. C'est la même chose. Ensuite, pour la rotation, on a trois dessins à faire. Comme ça, on va appeler ça une rotation horaire. Donc, dans le sens des aiguilles du monde. C'est unidirectionnel horaire. Qu'est-ce que... Mais il prend juste des flèches. Rotation horaire. Rotation, vous faites une flèche qui s'en va vers la droite. C'est dans le sens d'une aiguille du monde. Fait qu'on va appeler ça une rotation horaire. Dans rotation horaire. Voilà. Ensuite, on a le sens opposé qui est anti-horaire. Puis on a la bidirectionnelle. Fait que dans le monde, il existe trois sortes de rotations. Horaire, anti-horaire et bidirectionnelle. Oh, ben c'est pas bidirect. Bidirectionnel. Ça va, je peux passer? Non. Non. Ça va les gars? Ok, finalement, l'hélicoïdal c'est super simple. Dès qu'on peut visser quelque chose, on peut le dévisser. Donc on a un seul symbole, c'est le hélicoïdal bidirectionnel. À chaque fois qu'on peut visser quelque chose, automatiquement on peut le dévisser. Ben, c'est pour ça que un mouvement hélicoïdal est uniquement bidirectionnel. Quasiment, il nous reste une page. Bidirectionnel. L'hélicoïdal, il faut bien ça. Si ça vous aide, écrivez bidirectionnel. Oui. Si vous arrêtez de parler, vous allez avoir le temps en masse. Non. Pour la dernière page, je vais vous la dicter, ça va aller un peu plus vite pour être sûr que vous ayez le temps de venir vos labs. Une fonction mécanique, c'est simplement une pièce qui accomplit une tâche spécifique. Une fonction mécanique, c'est une pièce dans votre objet qui va accomplir une tâche spécifique. Par exemple, dans votre commode de tantôt, les rails de guidage, c'est une pièce qui accomplissait une fonction de guidage. Donc la tâche spécifique, c'est qui guidait le mouvement. Votre vis, dans une commode, qu'est-ce que ça sert? Ça sert à lier deux morceaux de bois ensemble. N'importe quelle pièce qui a une fonction spécifique, on va appeler ça une fonction. Parmi ces fonctions-là, on a la liaison. La liaison, ça sert à quoi? On veut assembler deux ou plusieurs pièces. Dans liaison. Dans liaison, on dit, on assemble deux ou plus pièces ensemble. C'est la même.
Ensuite? Mais c'est moi, c'est une translation. Direct? Une liaison directe, qu'est-ce qu'on avait vu tantôt? Ça c'est quoi une liaison directe? Oui, Léa? Liaison directe sans organe de liaison. Ici, on écrit sur cette ligne-là, sans organe de liaison. Sans ou sans? Sans S, il n'y en a pas. Pas d'organe de liaison. Attends, il liaison directe, pas d'organe de liaison. Exemple. Un exemple, une bouteille d'eau. Moi, je ne peux pas. Donc, sans une bouteille d'eau, je n'ai pas de liaison. C'est direct que je trouve que c'est dessus. Bouchon de bouteille d'eau. Indirect avec organe de liaison. Dans une liaison indirecte avec organe de liaison. L'exemple que j'avais, c'est une broche sur votre document. Ça lie vos deux feuilles ensemble. C'est l'exemple. C'est bon. Un bouchon de bouteille d'eau. Ensuite, démontable. Une liaison démontable est une liaison, on peut la défaire sans bris. Se défait sans bris. Ok, liaison. Une liaison démontable se défait sans briser. Exemple. Ah, voilà, on peut se défait. L'exemple que j'avais, un zipper, une fermeture éclair. Une fermeture éclair, ça va lier les deux côtés de vos pantalons tout le temps, puis si vous les défaites, vous êtes correct. Ça ne commence pas à chaque fois. Pardon? C'est une fermeture éclair. Ok, c'est fermeture éclair. Fermeture éclair. Je sais pas comment éclair. Éclair, éclair. Éclair. Hey, arrête pas gros, là. Let's go, on lâche pas. Et finalement, une liaison indémontable, c'est une liaison qu'il faut briser pour défaire. Oh non. Indémontable, faut la briser pour la défaire. Quand tu comprends, oui. Il faut la briser pour la défaire. Briser pour défaire. Il faut la briser pour la défaire. Moi, l'exemple que j'avais, c'est votre lieu de votre livre ici. Si vous voulez arracher une page, vous ne pouvez plus la remettre. Oui, c'est ça, mais je ne vais pas parler de même. Tu rajoutes d'autres choses. Les enfants, ça c'est. Let's go. Reliure de livre. Ça ici, c'est votre reliure de livre. Il faut prendre un autre exemple si tu veux. Dans ta tête, tu vas voir. La dernière critère, on va la laisser, on va y venir plus tard. On va juste passer au guidage. Donc, complète partielle, on ne verra pas tout de suite, on va y revenir. Le guidage, c'est simplement guider le mouvement. Un guidage sert à guider le mouvement. Guider le mouvement. Ils ont trois symboles en translation. C'est ça, en rotation. C'est ça, puis hélicoïdal. C'est ça ici. Est-ce que tu essayes de mettre une bord comme ça pour la translation? Mais c'est vrai que mettre guider. Quoi? Une sonde. Sonde? Ben oui, une sonde. Pourquoi il n'y a pas de sonde? Bonjour, monsieur. Pour le reste de la période, j'ai assez parlé, donc ce que vous allez faire. Hey! J'arrête de parler après ça. Vous devez lire les pages
191. Ah. À 194, tu vas devoir le faire des pages 195 à 197. Vous avez les 15 dernières minutes pour faire ça. Ceux qui n'ont pas fini Tony Pizza, je les ai en avant, venez les chercher. Vous allez avoir le seul temps pour les finir. Le reste de la période, c'est chacun pour soi en silence. On dit chacun pour soi. Hey, t'es en silence qu'à la fin de la période, soit vous faites vos exercices, soit vous faites votre plan. En silence, Léo, soit tu fais ici, soit tu fais à l'escalier pour travailler. Let's go.
Théo? Oui. Je sais pas. Continuez, on y revient prochainement. Là, vous restez 7 minutes. Je n'avais pas compris que ça allait m'arriver. J'avais de la place pour être. J'ai pas remarqué que tu étais avec. Je suis une belle.
Minutes, vous pouvez faire en équipe si vous voulez avec votre partenaire assis à côté de vous. Avec votre partenaire assis à côté de vous. Non, c'est le jour qu'on passe. Okay, vous voulez être court dans une minute. Ok, ben, vous pouvez que le genre de vous autres. Thank you.
les plus gros projets. J'essaie le plus possible. Bye bye.